Bon, on va essayer ce MR35 Punch. Je ne sais pas du tout s'il va marcher parce qu'il doit dater du milieu des années 70, je crois bien. Et donc, est-ce que ça fonctionne encore ce chargeur? Je ne sais pas. Alors, j'ai mis le chrono. Le chargeur, on le rentre. Et en fait, on tend les ressorts. Voilà. Là, il est prêt à fonctionner à répétition à 5 coups. Et j'ai mis la cible à 10 mètres. On va voir ce que ça donne. Que je sois bien par rapport au chrono. Le chrono l'a pas pris. Par contre, ça fait une grosse flamme. Hein. Tu l'as eu la flamme ? Bon, à mon avis, le gars, il n'est pas touché par la gomme, la sphère, il est touché par la fumée. Hein. C'est vraiment de la poudre noire. Hein. Ça sent l'œuf pourri, mais n'empêche que je suis dans la cible. Hein. Oh. Je suis dans la cible et je suis à 115 ou 116 mètres secondes. Pour une grosse balle quand même qui est... Ouais, à 35. Hein. On verra ce que ça donne au niveau énergie ouais. Cinétique. Il tire encore. C'est bon. Ouais, il tire encore. Bon, on va regarder. Pile, là, regarde. On va regarder ce que ça donne. Ça n'a pas pris tous les coups. Là, je suis à 103, 104 le plus bas, 130 le plus haut, 113 la moyenne et 12 l'écart type. Et là, bah, à 10 mètres. Bon, j'ai toujours pris ma visée ici. Les deux premières sont là. Troisième, quatrième, cinquième, je crois. Bon, bah, je crois que c'est assez concluant. On va passer après au nettoyage de l'arme parce que là, c'est de la poudre noire. Donc, il y a quand même un fort encrassement. Enfin, bon. Ça force pas dans le canon, c'est un canon en alu et il faut quand même un petit peu nettoyer l'entrée de la chambre, surtout de passer un petit coup d'écouvillon. Ça, le chargeur, bah, ça y est, on le recharge pas en fait. Alors on a vu ce système, c'est assez marrant ce système de ressort avec une lame, là, un petit peu comme un mètre pliant. C'est sous tension uniquement quand on introduit le chargeur, on introduit bien à fond pour avoir les cinq chambres. Et là, bah, Jean a été regardé, il a retrouvé deux billes, deux et demi, parce qu'il y en a une qui s'est ouverte. Donc c'est fait avec deux demi-coquilles. Et elles étaient à 45 mètres à peu près, hein, pratiquement ouais. Aux 50 mètres. Bon, quand on voit là, par rapport à une balle en caoutchouc de calibre 12, ouais. Une gomme cogne. Il y a quand même une grosse différence. Hein. Alors il y a un gros. Alors là, ça par contre, c'est du solide, c'est entièrement. Usiné dans un bloc d'alu, ça c'est pour l'entraînement. On charge d'un côté avec une cartouche à blanc et de l'autre côté avec une bille là, qui pénètre un petit peu en force. Mais pour la défense, ils avaient prévu donc ce chargeur 5 coups. Alors ce qui est quand même marrant, c'est que ça fonctionne parfaitement alors que ça date ça doit dater de 1975, un truc comme ça. Hein. Aux années 80, oui. Au pire, ouais. Les années 80. Oui, ouais, ça c'est années 80. Puisque c'est parti derrière le MR73 qui lui était de 1973. Ça veut dire que la poudre noire, elle fonctionne toujours, hein, y a pas de problème. Ouais, dans la mesure où c'est bien stocké. C'est la poudre noire. Ouais. Bon, bah écoute, on a vu ce que ça donnait. Donc la précision, bah, là, 10 mètres, c'est quand même le maximum et on est encore bien précis. On verra ce que ça donne au niveau quantité de mouvement par curiosité. Voilà, de toute façon, ce truc-là n'existe plus. Non. Il n'est plus autorisé et ils ont cessé sa fabrication, de toute façon, Malurin. Et après, il y avait Vernet Caron, je crois, qui l'a dû le fabriquer pendant un Alors, Vernet Caron, c'est le flashball. Ouais.
qui est complètement différent, qui équipait les forces de l'ordre. Ils n'ont pas repris la fabrication. Non, non, non. Donc ça fait quand même un bon moment. Non, c'est complètement différent. Voilà, ça fait un bon moment que ce. Et puis maintenant, c'est remplacé tout ça par ce qu'on appelle le lanceur de 40 mm de chez HK. Ok, bon bah écoute, c'était amusant, ami tireur. Oui. Mon prochain essai, collector. Oui, oui, c'est collector. Alors là, j'ai nettoyé l'arme, j'ai remis cette fois-ci, j'ai mis une cible C50, toujours à 10 mètres. Et je vais essayer le chargeur un coup, qui est destiné à l'entraînement. Alors je ne sais pas du tout si cette cartouche est chargée aussi fort que la. Que le chargeur destiné à la défense. On va voir ce que ça donne. Donc, on rentre une bille, on la rentre bien à l'intérieur. Voilà, la petite cartouche. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai mis le chrono en marche. Donc je vise plein centre. C'est la même chose. Je pense que c'est la même chose. C'est toujours chargé à la poudre noire. Donc on a une petite poudre noire. Et j'ai 140 secondes, donc j'ai même un petit peu plus que tout à l'heure. Ça vient peut-être de là. Le fait que la chambre en fait est en aluminium au lieu d'être en plastique, d'être en polymère, et donc c'est un petit peu plus serré. Ça augmente un petit peu la puissance. 140 mètres secondes et je suis bien placé par rapport à la cible. Je visais le plein centre de la cible à 10 mètres. Donc voilà, on voit bien la poudre noire. Qui sent bien l'œuf pourri. 140 mètres secondes de vitesse à 2,5 mètres de la bouche du canon. Et puis, je vais mettre mon groupement. Enfin, c'est pas un groupement, j'ai tiré qu'un seul coup. À 10 mètres, voilà, j'ai visé ici et je suis là. Donc, c'est une précision tout à fait satisfaisante pour ce genre d'armes non létales destinées à la défense. Alors, une fois n'est pas coutume, d'habitude je présente l'arme et ensuite je fais les essais. Là, c'est le contraire, j'ai d'abord fait le tir et maintenant je vais vous présenter l'arme. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que c'est un modèle ancien, ce MR35 Punch, on me l'a confié, c'est vraiment un collecteur. La personne m'a dit, j'ai plusieurs chargeurs, donc si tu veux tirer, tu peux tirer avec. J'ai aussi des éléments de rechargement, là, dans ces petites mallettes, il y a des cartouches et des projectiles. Les projectiles, il y en a moins que des cartouches parce que les projectiles, bien souvent, si on arrive à le retrouver, on peut le réutiliser. Il s'abîme pas ou très peu. Et puis, ces chargeurs, c'était fait pour la défense, chargeur de 5 coups. Mais j'étais pas du tout sûr que ça fonctionne parce que cette arme, elle a quand même pas mal d'années. J'ai pas réussi à trouver la date. Il y a pourtant un certificat de banc d'épreuve, mais il n'y a pas de date dessus. Mais je pense que ça doit être la seule date que j'ai vue, c'est une date de brevet qui date de 1973. Je pense que c'est des années 75-80. Donc ça fait quand même un bon moment. Et ben ça fonctionne parfaitement, on vient de le voir. Et en plus c'est précis et c'est quand même une belle arme. C'est tout en polymère, mais il y a quand même une chambre en aluminium. Et on voit la qualité de fabrication, c'est quand même, c'est du manurin, il n'y a pas de doute. Hein. Et ce système de chargeur qui a une... Ce système de chargeur avec une lame ressort à l'intérieur, là, c'est quand même quelque chose de très très bien, très très ingénieux. On pourrait d'ailleurs le recharger à la limite. On peut...
on peut chasser l'amorce percutée, remettre des amorces, remplir de la petite chambre avec de la poudre noire et remettre la cartouche. C'était quelque chose quand même de très bien fait. Ces petites billes en caoutchouc, elles sont réutilisables. Et ces cartouches à blanc, ces petites cartouches à blanc de calibre 12, c'est vraiment quelque chose de très simple et qui ne coûtait pas très cher. Il y a un gros écouvillon pour nettoyer, parce que comme c'est la poudre noire, il faut quand même un petit peu nettoyer. Et sinon, comme c'est du polymère, ça, polymère et aluminium, ça ne va pas bouger en fait. C'est vraiment quelque chose de très, très solide. Voilà, un petit clin d'œil, un engin collector, pas très courant et quand même assez atypique. Amis tireurs, merci pour votre attention, merci pour votre fidélité sur notre site et bon tir.